Baby, don't you know? Touch me, babe, 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 don't you know? Hallelujah. Hallelujah. Babe, babe, don't you know? The only one, 'cause I love you, and I'm in love. I really enjoy the way you touch me. Bonjour. Le DJ m'a appelé. Really enjoy the way you're moving on me. Bonjour, monsieur le directeur général. Ah, madame Ouedraogo, asseyez-vous. Merci. Alors, madame Ouedraogo, je vous ai fait venir pour vous féliciter particulièrement. Le tableau de bord des activités et le plan triennal que vous m'avez proposé ont été adoptés par le conseil d'administration. Ah. Encore félicitations. Merci, monsieur le directeur général. J'en suis ravi. Et j'ai d'ailleurs presque terminé le planning d'exécution des activités que je vous soumettrai. Ah bon? Vous y avez pensé? Ah, c'est une très bonne chose. Décidément, vous êtes un cadre compétent, hein? Et une jolie femme. Si vous avez terminé avec moi, je vais disposer. Et une minute. Alors, madame Ouedraogo, pour vous encourager, tenez ces bonnes licences. Ah non, merci. Je crois que c'est pour le service qu'on vous les donne, conservez-les pour cela. C'est dommage, hein? Je pouvais faire plus que ça pour toi. Ça dépend de toi, hein. Ah bon? Tu veux jouer à la dure avec moi? De toute façon, tu ne m'échapperas pas. I really enjoy the way you're moving on me. Alors, comment ça s'est passé avec le patron? Très bien, je te raconterai plus tard. Surveille mon bureau, s'il te plaît. Ok. Ce n'est pas gentil, Wassa Wassa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû aider la directrice des études et de la planification à sortir sa moto. Ça, jamais. Je suis un prince de sang, moi. Mais Wassa Wassa, qu'est-ce que ça a à voir? Moi, Wassa Wassa, je ne sers pas les femmes. J'en ai deux à la maison. Mon patron, c'est M. Séraphin. Non, écoute, il n'y a rien. Viens t'asseoir ici. Séraphin, toi aussi. Quelqu'un pourrait entrer. Qui? Ici? Tom, tu sais que personne n'ose rentrer dans mon bureau comme ça. Allez, allez, chérie, chérie. Hein? Ah! Mais qui ose nous déranger comme ça? Allô? Ah! Camarade vice-président du parti. Allez, une minute, s'il vous plaît. Allô? Mes respects, camarade vice-président. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous?
certains militants. Non, c'est parce qu'ils me demandent trop. Hein. À chaque coupe de football, volleyball, cyclisme, lutte et autres, ils sont là. On me demande des ballons, des maillots et même de l'argent. J'ai du mal à justifier tout ça. En tout cas, ton cas est compliqué. Il faut voir ce que tu peux faire. Ah, s'il vous plaît, camarade vice-président, ne me laissez pas tomber. Hein? Hey, viens ici. Bonjour, gardien. Bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur Wenceslas. Wences. Ce nom-là n'est pas ici. Bon, on m'a dit qu'il est petit de taille, un peu maigrichon, avec une barbe. Et il a une moto ninja. Ah, c'est Wimalo. Il est là. Je peux le voir. Mais c'est pourquoi même? Hein? Vous, les filles, là, au lieu de rester à la maison aider vos mamans, vous venez ici avec des tenues bizarres pour déranger les gens dans leur service. C'est incroyable. Depuis 6 mois, et mon dossier est toujours là. Calmez-vous, madame. On est là-dessus. Toujours le même refrain. Je veux savoir quand est-ce que mon dossier de reclassement sera traité. Vous n'avez pas posé un caillou sur votre dossier. Il te sent voler. Caillou, oui, oui. Je ne marche pas dans la corruption. Faites votre boulot. Écoutez, madame, je n'ai pas de compte à vous rendre. Ce n'est pas vous qui m'avez placé ici. Compris? C'est un service public. Vous êtes payé pour ça. Faites votre travail et consciencieusement. Apparemment, le laxisme est la règle générale ici. Personne à son poste. Madame, faites ce que vous voulez. C'est comme ça ici. Carotto. Ah bon? Oui. Allô? Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour une si belle demoiselle? Au fait, j'ai soutenu mon BTS en marketing. Mm-hmm. Et mon cousin Jo. Oui, Jo. Voilà, uh-huh. M'a dit de passer vous voir, que vous pouvez me trouver un emploi ici. Tu vois, demoiselle, le marché de l'emploi est devenu très difficile. Mm-hmm. Et il faut connaître des gens comme moi pour pouvoir s'en sortir. Ah, monsieur Wenceslas, vous voulez dire que vous allez trouver quelque chose pour moi ici, alors? Appelez-moi Winnie. Ok. Tu vois, je ne suis pas n'importe qui dans cette boîte. Mm-hmm. Qui ose me déranger en pleine séance de travail? Allô? Ah, excusez-moi, DG. Oui? Et tout de suite, DG. Oui. Oui, DG. Écoute, Win, il faut que tu ailles encore au Mali pour voir le marabout là. L'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe, DG? Les gens n'aiment pas les gens. Mon fauteuil est encore menacé. Bon, je bouge ce soir même. Ok. Oui, DG. Oui. J'ai une de mes cousines directes qui vient d'avoir son BTS. Et la famille me harcèle de lui trouver un stage. Si vraiment vous pouvez faire quelque chose pour moi. Bon, ok, c'est bon, c'est bon. Tu vas voir le directeur des ressources humaines de ma part, uh-huh. Pour qu'il l'embauche même. Merci, DG. Tu prends ça, uh-huh. Pour ton voyage, oui. Et ton séjour là-bas. Uh-huh. Allez, bon voyage. Merci, DG. Allô, Daf. Tu viens tout de suite dans mon bureau. Et bon, je vais essayer de mouiller quelques barbes. Hein? Toi, de ton côté, essaie de voir ce que tu peux faire. Oui, ok, on se tient au courant. Daf, trouve-moi 50 millions et tout de suite. Mais la caisse est vide. Et avec les procédures de décaissement, ça va prendre... Débrouille-toi. Emprunte au fournisseur. C'est très urgent. Entendu, DG. Ok, allez.
Allô? Isaka Import-Export. Oui. Le patron demande de lui trouver 60 millions. C'est urgent. Vraiment, Mokhtar, merci de m'avoir recommandé auprès d'une si haute personnalité. Oh, c'est normal. Tu n'as pas à me remercier, Clarisse. Je te connais, tu le mérites. Et puis, avec tout ce qu'on a vécu ensemble à l'université, tu te rappelles? Et comment? Je te revois encore taisé sur le matérialisme dialectique, la lutte des classes, devant une foule de camarades extasiés. Et toi donc, la passionnariat des luttes syndicales. Hé, hey, Clarisse Labombe, est-ce que tu te rappelles que tous les professeurs et les recteurs avaient peur de toi? Oh, faut pas exagérer. Je n'exagère pas. Tu étais tout le temps en train de défendre les camarades qui sont brimés. Et comment? Ouais, c'est vieux tout ça. Ouais, c'est vieux. Aujourd'hui, tu es un bourgeois comprador avec ton petit ventre de l'impunité. Impunité, tu parles. Ma chère, tu sais, dans ce pays-là, quand tu maigris, les gens murmurent. Laisse-moi cultiver mon jardin fétiche. C'est la vie. Ah, c'est le DG. Ah non, c'est bon, c'est bon. Regarde bien, tu tiens ça. Ah. Et tu me fais une bénédiction. Compris? D'accord. Merci beaucoup, patron. Alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik yawm din ya karam ya karam sayyidina wa sallam suratan lazina alam tali wa rabbul wa la wala amin. Non, c'est bon là, je suis pressé. Non, y'a madame. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Monsieur le conseiller. Ben, asseyez-vous. Merci. Merci. Madame Ouédraogo, monsieur Mokhtar, mon conseiller technique, m'a parlé de vous en bien. J'ai également pris connaissance de vos états de service. Je vous félicite et vous encourage à persévérer dans votre rendement. J'aime les gagneurs et vous en êtes une. Merci, monsieur le ministre d'État. Je suis vraiment flattée et cela me va droit au cœur. Madame, vous n'ignorez pas que notre pays a placé un grand espoir à l'exploitation minière. Malheureusement, la gestion actuelle de la Société Générale des Mines ne donne pas entière satisfaction. Nous sommes persuadés que vous êtes capable d'assumer efficacement la fonction de directrice générale. Moi? C'est trop d'honneur. Vraiment, je ne sais pas si je pourrais... Si, si, vous en êtes capable. Madame, ce n'est d'ailleurs pas un cadeau que je vous fais. Vous aurez contre vous tous ces hommes et femmes scotchés à leurs avantages, qui ne peuvent plus innover, mais qui restent allergiques à tout changement. Oh, ils ne me font pas peur. D'ailleurs, je les connais tous et individuellement. Très bien. Alors, je vous autorise même à secouer le cocotier. Faites-moi des propositions et je vous soutiendrai entièrement. Alors, c'est d'accord? Bon, tout ça est si brusque. J'aimerais avoir le temps de réfléchir. Ah, les femmes. Un homme à votre place aurait sauté de joie. Et vous, vous hésitez. Avez-vous peur des responsabilités? Non, pas du tout, monsieur le ministre d'État. Seulement, j'aimerais en parler à mon mari et je ferai part de ma réponse ultérieurement. Décidez-vous, madame. Décidez-vous et vite. C'est très urgent. Il n'y a rien au village DG. Oui, tout est maîtrisé. Vous pouvez dormir tranquille. Ah, merci, mon cher. Je savais que je pouvais compter sur toi, hein. Ouais, je suis même actuellement au Mali comme ça avec le marabout. Ouais. Votre fauteuil de DG, c'est du rock, hein. À ton retour, tu auras une promotion. Ah, merci DG. Ouais. Et je prends même mon avion pour voir demain. Ouais. Merci DG. Espèce de menteur, là. Toi,
Pourquoi tu es au Mali comme ça? Ça, c'est pas ton problème. Laisse ça. On a encore plus de temps à passer ensemble. C'est vrai. Madame Jacqueline Traoré Nekone, matricule 256P, inspectrice de l'enseignement, est nommée directrice provinciale de l'enseignement. Allons, allons, Clarisse, du calme. Tout se passera bien, tu verras. 459J, inspecteur de l'enseignement, est nommée directeur de l'enseignement primaire de la COSI. Ministère de l'exploitation du sous-sol, Madame Clarisse Ouédraogo Nezamtako, matricule 721K, ingénieure des mines, est nommée directrice générale de la Société générale des mines, SGM. C'était là le compte-rendu du Conseil des ministres. Et si ça achève ce journal, merci de nous renouveler votre fidélité. Bravo, maman. Félicitations, maman. Nous sommes fiers de toi. Bravo, Clarisse, nous avons gagné. Merci, merci. C'est vraiment grâce à vous que j'ai été nommée. Et j'espère pouvoir compter sur votre soutien. Toujours et à tout moment. Parce que cette nouvelle fonction va me demander beaucoup de sacrifices et beaucoup de disponibilité. Tu peux donc compter sur nous. Nous allons t'aider et te comprendre. N'est-ce pas les enfants? Oui, papa. Tu peux toujours compter sur moi à tout moment. Nous sommes inséparables. Ministère de l'Exploitation et du Sous-sol, Madame Clarisse Ouédraogo Nezamtako, matricule 721, ingénieur des mines, est nommée directrice générale de la Société générale des mines, SGM. Quoi? Monsieur Sidbala, oui, matricule 8G, inspecteur de l'enseignement, est nommé directeur provincial de l'enseignement primaire. Matricule 256B, inspectrice de l'enseignement, est nommée directrice provinciale de l'enseignement primaire du Soum. Monsieur Mahamadou Sawadogo, matricule 459J. Ah, excuse-moi chérie, j'étais pris au bureau. C'est toujours comme ça avec toi. On est arrivé, monsieur le DG. Oui, ça va. Ça va. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aussi à boire? Mais comme d'habitude, tu renouvelles pour mon zèle. C'est affaire. Allô, c'est affaire. Vas-y, réponds. Oh, laisse tomber, c'est un emmerdeur. Le bruit m'agace. Si c'est un abédeur, réponds et débarrasse-toi-en. Oh. Excuse-moi une minute. Allô? Mais il y a quoi? Mais tu me déranges. Je suis au bureau, je travaille là. Tu as écouté le conseil des ministres? Quoi? Tu es sûr? Au conseil des ministres? Non, c'est pas vrai. Séraphin! 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 Où vas-tu? Séraphin! Je suis désolé, Clarisse. Il faut que tu ailles. Tu sais bien que mon work, ce sont mes connaissances et mon Dieu Tout-Puissant. Écoutez, les enfants. Aidez-moi à convaincre votre mère que l'ancien DG peut avoir miné le fauteuil. Et dès qu'elle va prendre fonction, elle va mourir. Maman a raison. Je ne crois pas trop à ces choses-là. Ah non. Moi, je ne veux pas prendre le risque de perdre ma maman. Donc, il faut qu'elle aille. De toute façon, c'est moi le mari et c'est moi qui décide dans cette maison. Allô? Enfin. Mes respects, monsieur le ministre. Ah, monsieur Séraphin. Je suis en réunion. Rappelez-moi plus tard. Mais. Il m'a raccroché au nez, le salaud. Pilou Séraphin. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Allô? Allô? Oui, mais mes hommages... Allô? Oui? Je te rappelle plus tard. Je suis très occupé. Ah! Lui aussi, il m'a raccroché? Non.
Tu as pu faire quelque chose? Rien. Il me fuit tous au téléphone. Tous des ingrats. Quand je pense que pas plus tard qu'hier, ils te couraient tous après. Dis-moi, tu as songé à aller faire disparaître les dossiers compromettants? Tu as raison. Mais c'est vrai. On ne sait jamais. Vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? Les bureaux sont fermés. Pour mesurer tes mots, je suis avec ta nouvelle directrice générale. Ah bon? Ah, madame Ouedraogo. Eh, félicitations. J'ai écouté ça dans ma radio. Eh, que Dieu vous aide, qu'il vous donne la longue vie et qu'il vous accorde sa miséricorde. On est zingi la vie, on a songé tout moi. Ça va, ça va. Va ouvrir le portail, mais surtout fais bien ton boulot et cesse d'attraper les petites filles du quartier. Oh, j'ai compris, patron. Mais qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci ici? On vient faire ce qu'on a à faire. Va ouvrir le portail. Hé, non. Toi aussi, tu vas pas me laisser tomber? Quand même. Oh, vraiment. Vous allez danser comme moi et répéter exactement tout ce que je vais vous dire. Ouais, sincèrement, je peux pas aller. Tu sais bien que je suis ici malgré moi. Clarisse, ma chérie, arrête de faire la difficile. Je suis ton mari, je veux ton bien. Et ce que le féticheur te demande de faire, c'est certainement très important. C'est compris? Continuez, féticheur. Si on m'appelle en bas, je réponds en haut. Si on m'appelle en haut, je réponds en bas. Si on m'appelle en bas, je réponds en haut. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça ne va pas chez toi? Vas-y, ouvrir le portail, oui. Et puis, depuis quand tu me tutoies? C'est pas l'heure de service. Il faut revenir demain. Tu es malade ou quoi? Si tu n'ouvres pas le portail là, je le défends tout de suite. Hein. Mais tu n'es plus de géant, je n'ai pas peur de toi. Mais qu'est-ce que vous faites devant mon bureau? Ah, madame Moutongo, toi ici? Ce n'est plus ton bureau. Tu as été viré. Ah, c'est ce qu'on va voir. Sale charlatan. Donne-moi le poulet, lâche-le. Arrêtez, ça suffit. Lâche-le. Bien fait pour l'ancien DG. Il commençait déjà à exagérer. Oui, tu as raison. Il n'écoutait plus personne. Il n'en faisait qu'à sa tête. De toute façon, lui, il ne savait qu'attribuer des marchés de gré à gré. Hein? Vous êtes sûr que Mme Ouedraogo fera mieux? Hé les gars, vous buvez au départ du dictateur. Hé chérie, donne-moi un café. Ah. Merci. Madame Ouedraogo n'est pas mieux que l'ancien DG. Et puis, une femme nous commandait. Depuis quand? Hein? Hein? Où bien, les gars? Rose, c'est curieux. Tu es bien matinal aujourd'hui.
Allô, Koulibaly, va vite chercher la DG. DG a des problèmes avec son véhicule? Tu ne sais pas que le DG a été sauté et que c'est Madame Ouedraogo qui a pris sa place? Hé, hey, file vite la chercher, faut pas nous créer des problèmes ici. Ah bah, Rose, depuis quand? Ce n'est pas toi qui dénigrais Madame Ouedraogo ici? Laisse-moi me chercher. Je ne sais pas que le vent a changé de direction. Bonjour, madame la patronne. Je suis venu vous chercher. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas encore pris service. Ah bah. Mais madame, vous, en tant que directrice générale... Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas du tout. Retournez au service. Ah bah. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Je suis venu chercher madame, mais elle a préféré partir sur sa moto. Oh, c'est pas un problème, ça. Ah, attends, tu vas me déposer quelque part tout de suite. D'accord. Il n'y a pas de problème, monsieur le DG. Le vent a changé de direction. Mieux vaut mettre de l'ordre. Monsieur le DG. Félicitations, DG. Oh, arrête ça. C'est ma femme qui a été nommée directrice générale. Moi, je reste Jean. Pardon, ne nous embrouille pas. Clarisse, DG Clarisse, le tout appartient. Non? Vous savez, les gars, on a l'habitude de dire que la barbe exécute ce que les tresses décident la nuit. Mais avec Jean, c'est désormais les tresses qui exécutent ce que la barbe a ordonné la nuit, n'est-ce pas, Jean? Vous exagérez. Je rappelle que c'est ma femme qui a été nommée à ce poste. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Rien du tout. Écoute bien, Jean. C'est une femme. Si vous la laissez seule, elle ne va jamais s'en sortir. Ça, Timothée a raison. À ce poste-là, elle a besoin forcément de ton aide pour s'en sortir. Sinon, ça sera même une mission impossible pour elle. Il faut que tu te combles les trous de ma caisse que tu as creusé. Surtout le dernier pour tes amis politiques. C'est ça le problème. Depuis lors, j'essaie de les joindre en vain. Ah, c'est pas du tout bon, ça. Mais où sont passés tous tes autres amis politiques qui défilaient ici tout le temps pour prendre de l'argent? Les salauds. Les uns refusent de me prendre. Les autres disent qu'ils vont me rappeler et ils ne le font pas. Je les rappelle et ils ne décrochent plus. Tu veux que je fasse quoi? En tout cas, il faut que tu trouves l'argent. Sinon, tu es foutu. Tu ne peux pas abuser de moi ici pour me dire ensuite que je n'aurai pas ce boulot-là. Écoute, ma chère, le vent a changé de direction et tout le monde se cherche ici. Je m'en fous. Je veux ce boulot ou gare à toi. J'ai affaire. Est-ce que tu peux me laisser? Quoi? Ça ne se passera pas ainsi. Tu auras de mes nouvelles. Merde! Quand même, ma belle, ah, toi aussi. Je t'ai donné 500 000 francs hier nuit. Et tu me parles encore d'argent ce matin. Aïe. On dirait que toi, tu n'es pas au courant de la vie, cher. Quoi. Hein? Ah, vie, ma carrière. Ah oui. Bon, écoute,
On se voit ce soir et on règle ça. Ok? Allez, bisous, bisous. Écoute, Kouz, ça chauffe. Il faut que tu me sauves. Te sauver? Comment ça? Il me faut de l'argent pour boucher un trou. Non, mais c'est juste pour la passation de service. Après, je te retourne ton argent. S'il te plaît, Kouz. Mon cher Kouz, je suis désolé. Mais je n'ai rien, rien en ce moment. J'ai engagé des frères pour des conteneurs en Chine. Il y a mon immeuble en finition. Toi-même, tu le sais. Je veux bien, mais je ne peux pas. Je ne peux rien pour toi. Ah bon? C'est comme ça aujourd'hui, Moussa. Je te rappelle que tu n'étais qu'un petit boutiquier. Et c'est grâce au marché que je t'ai donné là que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi. Cousin, hier, c'est hier. Et on devient quelqu'un grâce à quelqu'un. OK? D'accord. Espèce d'ingrat. J'ai compris. Mais je te jure qu'on se lèvera. On se lèvera. OK. Tu n'as pas la peine. Bonjour, Madame la DG. Bonjour, Monsieur le DAF. Vous avez demandé à me voir? Madame la DG, comme vous êtes nouvelle sur le plan financier, je voudrais vous éviter les erreurs de votre prédécesseur. Ah, asseyez-vous. Merci, Madame la DG. Séraphine n'écoutait pas ce que je lui disais. C'est pourquoi il y a des grands trous dans ma caisse. Bon, vous me ferez le point après la passation de service. Compris, Madame la DG. Madame la DG, je voulais vous informer que je suis de la même zone que votre mère. Ah bon, hein? C'est vrai, Madame la DG. Notre ethnie a toujours été vos esclaves. Donc je reste votre esclave. Je suis prêt à tout pour vous, madame. Mais ce n'était pas comme ça avant la nomination. Bonne arrivée, Madame la Directrice Générale. Alors, Lago, on arrose quand la nomination de ta maman. Oh, du calme, les amis. Pour moi, il n'y a aucun changement. Ah non, ça, tu as menti. À partir de maintenant, c'est toi qui nous gères, là. Il est hors de question. Maman n'a qu'à bien gérer son service et donner le bon exemple, c'est tout. Oh, Lago, tu rêves, toi. Tu es DG. Bref, allons en classe. Monsieur Séraphin, bonjour. Le secrétaire général du ministère prévoit la passation de service pour demain. Vous êtes au courant? Je sais ce que j'ai à faire. Parfait. À propos, il faut que vous compreniez que vous devez garer le véhicule de service. Rassurez-vous, Madame la DG. Tout sera en ordre avant la passation. Parfait. Madame Oudrao, vous êtes enfin arrivée à vos fins. Le wak, votre charme et tout le reste que je n'ose pas dire. Je ne céderai pas à la provocation. Au revoir. Ça, c'est un problème. Enfin, on te retrouve. Tu es toujours là de t'isoler. On dirait que tu as peur déjà. Mais pas du tout. Je veux juste un peu de paix. On ne parle que de la nomination de maman. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? On est tous passés par là, là. Où bien les potes? Ouais. Bon, à partir de maintenant, on t'intègre dans notre groupe de petits bourgeois. Tu sais, comme depuis lors tu m'invites, j'accepte maintenant. Ah bon? On se retrouve à la piste derrière les 4 saisons à la descente, OK? Mmh. Allez, bye. On maintient. OK. Madame Ouédrago, née Zamtako Clarisse. Vu le décret numéro 394, presse MMS, et au nom du ministre des Mines et du Sous-sol, je vous déclare installé dans vos nouvelles fonctions de directrice générale de la Société Générale des Mines. Toutes mes félicitations, Madame Ouédrago. Merci, Monsieur le SG. Je ne vais pas faire de discours, mais j'aimerais simplement vous dire ceci. Ma lettre de mission est claire et précise. On me demande des résultats. Pour cela, la feuille de route que je vous propose est la suivante. Je mettrai en place un comité pluridisciplinaire qui se chargera de relier les textes de la société et d'élaborer des fiches de poste et des lettres de mission pour chacun d'entre vous.
Chaque agent sera évalué en fonction de ses résultats. À cet effet, j'ai déjà élaboré un plan de redressement que je soumettrai d'ailleurs au syndicat. J'espère sincèrement que vous ferez de ce plan le vôtre. Parce que j'estime que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons remporter les défis. Et nous sommes les ouvriers d'une même œuvre. Faites qu'il n'y ait pas de barrière entre nous. Bon vent dans vos nouvelles fonctions. Merci, monsieur le SG. Les gars, oui. Qu'est-ce que vous pensez du discours de la nouvelle DG? Eh tiens, un discours nouveau. Celui de la bonne gouvernance et de la culture de résultat. J'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air. Richard, qu'est-ce que tu en penses? Bof, tu sais, moi, les discours des nouveaux DG, j'en ai tellement entendu. Je préfère la juger à l'œuvre, quoi. Si ce n'est pas que le monde est gâté, comment celle-là peut être directrice générale? Toi aussi, Win. C'est une femme qui travaille beaucoup. Elle est tout le temps au bureau. Arrête avec ça. Tu n'as pas vu comment elle est balancée? Et alors? Balancée comme elle est? Il suffit de voir une de ses cuisses pour accepter si même ta démission. En combien de mensualités? 3 seulement. Ouais. Ah, moi, je n'ai pas d'argent. Non, je t'en prie. Fais plaisir à ta femme. Hein? Hello. Bonne arrivée, Jean. Ton congé est déjà fini? Déjà. Désolé, vraiment. J'aurais voulu avoir 2 semaines de plus. Félicitations pour la nomination de madame. Ah. Il faudra bien l'épauler. Merci. Quand elle en aura besoin. Merci beaucoup. Qui a été nommée? La femme de Jean. Elle est devenue DG. Ah oui? Mais ça tombe à pic. J'ai tout ce qu'il lui faut. Du bazin, des gagnis, des doupures. C'est avec ça une grande dame doit s'habiller. Bonjour, madame la directrice générale. Bonjour, monsieur Malou. Asseyez-vous. Merci. Que puis-je faire pour vous? Madame la DG, vraiment votre discours là, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. C'était vraiment formidable. Merci, monsieur Malou. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous servir, je suis à votre disposition. Jour comme nuit. Merci, monsieur Wimalou. Et justement, j'ai déjà une proposition à vous faire. Je vais provoquer les gens et détecter vos ennemis dans ce service. Et je vous rapporterai tout ce qu'ils diront contre vous. N'est-ce pas bien? Non, merci, monsieur Wimalou. La délation, ce n'est pas ma méthode de travail. Et je vous jure, madame la DG, que si vous acceptez... Monsieur Wimalou, j'ai beaucoup de travail. Bon. Bon, bon. Allez. Allô? Ah, bonjour, monsieur le SG. Que puis-je faire pour vous? Excuse, mon cher ami. Je n'ai pas pu te rappeler. Trop d'occupations. Oh, ça ne fait rien. Camarade vice-président du parti, je suis venu vous voir pour que vous m'aidiez. Sinon, je suis foutu. Ne t'inquiète pas. Et au fait, quel est ton problème? Voilà. L'argent que je vous ai donné a creusé un trou. Et la nouvelle DG est en train de faire des investigations dans ma comptabilité. C'est ça mon problème. C'est ça seulement ton problème? Oui. Ok. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Tu vois, elle m'a convoqué dans son bureau et je lui ai dit mes 4 vérités. Elle peut me faire quoi? Mais Win, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que je compte faire? Ça, c'est quelle question, ça? À partir de maintenant, elle et moi, là, c'est la guerre populaire généralisée.
et tous les coups sont permis. Mwenda. Comme vous le voulez, monsieur. Mais je vous dis que je ne suis pas d'accord avec la méthode. Au revoir. J'ai horreur de ça. C'est cette forme d'impunité qui favorise la malgouvernance. Dès qu'il y a peu de temps, à pareille heure, notre cour était remplie de visiteurs. Et depuis hier, je n'ai reçu que 2 appels. Alors qu'avant, c'était toutes les 2 minutes. Allô? Allô, monsieur Séraphin, passez à mon bureau. Ok, merci. Je vais passer l'éponge sur tous vos trous financiers, malgré moi. Mais c'est la dernière fois. En attendant, je veux que vous mettiez fin à vos intrigues. Depuis lors, je n'ai pas de bureau. Qu'est-ce que je fais? Commencez par ramener l'autre véhicule. C'est le dernier avertissement. Le reste, on verra. J'espère que c'est pas cette petite facture-là qui t'angoisse. Tiens, Alex, prends cette cigarette. Ça va te détendre. Merci, je fume pas. Arrête de jouer au mollasson. Si tu veux nous suivre, faut être un dur. Mais Elodie, ton gars est moudé. T'inquiète, je vais le dresser rapidement. D'ailleurs, notre prochain pique-nique, c'est lui qui va tout prendre en charge. Il est le nouveau. Où veux-tu que je trouve les sous pour ça? Tu vas arrêter de te plaindre tout le temps. Tu es fils de DG ou non? Je tiens à vous rassurer. Notre pays a besoin d'investisseurs étrangers pour booster son économie. En tout cas, merci de nous avoir reçus, madame. Notre dossier, un dossier de plusieurs milliards pourtant, était bloqué depuis déjà un certain temps pour une histoire de pot de vin. Comment ça? On a exigé de nous 1% de notre budget d'investissement pour nous fournir les autorisations nécessaires. Et nous n'avons pas accepté, évidemment, depuis, on ne nous recevait plus. Vous avez bien fait. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous sommes ravis de vous entendre parler de la sorte, madame. Vous savez, nous voulons nouer un accord gagnant-gagnant. J'ai examiné votre projet. Il a un caractère social fort et sera source de devises pour notre pays. Je vous encourage. Écoutez, nous vous remercions, mais soyez bien persuadés que notre objectif, c'est d'investir dans votre beau pays. Vous avez toutes nos conditions dans la correspondance que je vous ai préparée. Mais attention, veillez à préserver notre environnement. Nous y veillerons, vous pouvez en être sûr. Madame Merci. La directrice, au revoir. Respect. Au revoir, monsieur. Jean, la dernière fois, tu as refusé de prendre mes bases. Aujourd'hui, tu n'y échapperas pas. Prends cette dessous pour ta femme. C'est hyper chic. Tu trouves pas? Non, désolé, Sarata. C'est elle-même qui achète cette dessous. Ça serait une très belle surprise pour elle. En plus, elle sera très sexy dans ça. Imagine un peu dans ça. Tu vois? Non, je ne peux vraiment pas. Alors, paye-les pour moi. J'adore cette couleur, par exemple. Pour toi? Alors? Et? Imagine un peu. Non, je ne peux pas faire ça. Bonjour, DG. Bonjour. Je vous amène M. Kabouri, un de nos principaux fournisseurs. Il tenait à saluer la nouvelle patronne. Ah, c'est très gentil. Asseyez-vous. Merci, madame. Excusez-moi, j'ai affaire, je vous laisse. Ok. Bonne journée. Merci. Félicitations pour votre nomination. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je livre tout. Ah. Madame la DG, prenez cette enveloppe pour votre carburant. Non, merci. Et je tiens à vous informer qu'à partir de maintenant, toutes nos commandes se feront par appel d'offres. Quoi? Appel d'offres? Mais avant, c'était pas comme ça? Avant, c'était avant. J'ai décidé que maintenant, ça sera comme ça. Ah. Merci pour votre visite.
Monsieur, reprenez votre enveloppe. Cette enveloppe, c'est pour votre femme. En tant que son mari, nous passons par vous pour la lui remettre. Je vous remercie pour cette marque de confiance. Elle vous en sera très reconnaissante. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Vous avez choisi la voie de la facilité. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais je n'ai pas le choix. De nos jours, pour avoir un simple stage, il faut connaître quelqu'un. Et oui, il avait promis de me faire embaucher. Mais ce n'est pas une raison pour vous prostituer. Il faut rester digne en toutes circonstances. Aidez-moi, madame la directrice générale. Vous êtes mon seul espoir. Je suis contre ce genre de recrutement fondé sur le népotisme et le favoritisme. Seul le mérite doit être encouragé. Personne ce soir. Est-ce que tu peux m'excuser auprès d'eux? Mais oui, mais c'est vrai que ces gens-là commencent à nous emmerder maintenant. Ouh là là. J'ai des courbatures partout. Je viens te masser. Oui, c'est gentil, ça va me faire du bien. Mon mari est très malade. Il est même hospitalisé. Je venais voir si votre femme, la DG, pouvait nous aider avec un peu d'argent. Excusez-moi, madame. Nous ne sommes pas l'action sociale. Au suivant. Alex, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air soucieux, là. Maman, j'ai besoin d'argent. Besoin d'argent encore? Hier seulement tu me réclamais ton argent de poche et aujourd'hui tu veux de l'argent. C'est pourquoi? Maman, je t'ai simplement demandé de l'argent. Si tu me donnes, tu donnes. Si tu ne me donnes pas aussi, il n'y a pas de problème. Dieu, c'est à moi que tu parles comme ça? Là même, je ne veux plus. Hey, mais qu'est-ce qui lui prend? Non, je ne sais pas, il est comme ça depuis hier. Ah ben dis donc. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Tu peux disposer. Au suivant. Oui. Oui. Bonsoir, Boutchou. J'ai fait une spécialité culinaire et je t'invite à manger avec moi. Excuse-moi, je ne peux pas. Je suis en audience. Je t'en prie. Hein? Tu ne peux pas me faire ça. C'est pour toi que je l'ai mijoté. Fais un effort. Tu ne le regretteras pas. Ça va être difficile, ça va être difficile. Pardonne-moi, ma fille. Je sais que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Mais mon poste est un défi à relever. En tout cas, nous en subissons les conséquences, papa, Alex et moi. Ton absence crée un vide. Oh, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que je vous causais autant de peine. Ça y est, mission accomplie. De un, il va falloir trouver un emploi pour Calix, le fils du voisin. Et de deux, le DAF a apporté une enveloppe. Voilà. Il était accompagné de Monsieur Kabouré, je crois, un de vos fournisseurs. Ah oui. Jean, je n'aime pas ça. Pourquoi? Je ne tolère pas que tu t'ingères dans mon travail.
Quant à ce DAF, il va m'entendre. Mais écoute-moi, Clarisse. Ce n'est pas parce que tu es DG que tu vas me manquer de respect. Et si jamais tu touches au DAF, tu quittes de chez moi. Oh, Seigneur. Oh, il ne faut pas que je craque. Il ne faut pas que je craque. Il ne faut pas que je craque. Arrivée, madame la DG. Bonjour, DG. Bonjour. Je ne veux pas te déranger ce matin. J'ai beaucoup d'urgence. Bien, madame. Le pays, là. Regarde comme celle l'a fait le malin aujourd'hui. On l'a vu ici. Rose, pourquoi tu es toujours méchante comme ça? Toujours en train de critiquer la bande. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle se comporte comme si on ne savait pas comment elle a eu son poste, là. Allô? Bonjour, madame la DG. Ça va? Ah, Mokhtar, bonjour. Que puis-je faire pour toi? Oui, j'ai une protégée qui va passer vous offrir ses services en fourniture de bureau. Je regrette, Mokhtar. Les choses ne sont plus comme avant. Nous avons mis en place une commission interne chargée de réceptionner et d'examiner toutes les offres. Tout ça, c'est bien, mais j'espère que tu peux traiter des dossiers spéciaux sans passer par cette commission-là. Mokhtar, je crois qu'il faut qu'on se voit pour clarifier certaines choses. Oh là 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 là. Voilà, laissez ça ici, laissez ça ici. Et vous, amenez les motos sur la terrasse. Merci. C'est bien gentil à vous, Taf. Merci infiniment. C'est normal, monsieur Drago. C'est vous le patron. Et avec vous, les affaires se passent mieux qu'avec madame. Où sont donc passés tous tes idéaux d'honnêteté, d'intégrité et de justice sociale que tu as si vaillamment défendu à l'université? Université, université. Tu n'as donc que ce mot-là à la bouche. Ma chère amie, j'ai cessé de rêver, moi. Les idéaux d'honnêteté, d'intégrité, de justice sociale, c'est très bien. Malheureusement, la gestion du quotidien est plus forte que nos utopies d'antan. Eh bien, c'est dommage. Parce que ce sont ces principes-là même qui me guident. Tant mieux pour toi. Mais trêve de discussion, Clarisse. On fait comment, concrètement? Je regrette, Mokhtar. La commission a été investie de tous les pouvoirs. Et nul, même moi, ne peut outrepasser ses compétences. Madame la directrice générale, tu sembles avoir déjà oublié comment tu es arrivée à la tête de ce service. Non, je n'ai pas oublié. Seulement, si vous m'avez placé ici pour m'utiliser, eh bien, vous pouvez reprendre votre poste. Tu n'es qu'une ingrate, Clarisse. Tu as accepté ce poste, tu y restes et tu feras ce qu'on te demande. Sinon, c'est la descente aux enfers. Mon cher Richard, en tant que délégué syndical, qu'est-ce que tu penses des nouvelles décisions de la dictatrice? Quelle décision? Et quelle dictatrice? Tu fais exprès ou quoi? Tu as vu les notes de service bizarres que la directrice générale a sorties? Et alors? Comment ça y est alors? Il paraît que ce n'est pas tout, qu'elle veut tout chambouler. Mais où est le problème?
Mais les DG, ça fait partie de ses prérogatives. En tout cas, on ne doit pas se laisser faire, Richard. Parce qu'elle gère un grand type, elle se fait nommer et veut brimer les autres quand même, Richard. Excuse-moi, j'ai un coup de fil urgent à passer là. En bas. Oh oui. Ok. Je vais voir les autres et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur Yabre, je suis surpris de votre comportement. Mais comment pouvez-vous rester ainsi inactif face à une telle injustice? Injustice? De quoi tu parles? Le poste de DG. Vous le méritez plus que Madame Ouedraogo. J'ai la preuve que vous avez contourné ma commission pour attribuer un marché à Monsieur Kabore. C'est de l'insubordination. Excusez-moi, Madame la DG. Il s'agissait d'une commande urgente. Je ne vous ai pas fait appeler ici pour discuter avec vous de quoi que ce soit. Je voulais juste vous informer que je vais me séparer de vous. Vous séparez de moi? C'est si grave que ça? Mais bien sûr. Et en plus, je vais vous demander d'aller retirer les fauteuils et les motos que vous avez envoyés chez moi contre mon gré. Madame, je vous jure que je ne recommencerai plus. Je suis prêt à tout. Si vous m'enlevez, c'est ma honte. Monsieur le DAF, un peu de dignité quand même. Ce n'est pas un poste à vie. Allô? Bonjour, monsieur le SG. Madame Ouedraogo, il y a des dossiers urgents. Passez à la descente pour qu'on puisse les évacuer. Monsieur le SG, je n'ai pas apprécié votre attitude équivoque la dernière fois. J'aimerais que désormais le travail se fasse pendant les heures de service. J'ai une famille dont je dois m'occuper. Je me demande si on a fait une bonne affaire avec cette dame. Elle se prend pour gendarme. Comment ça? C'est pourtant vous qui me l'avez proposé. Écoute, elle va regretter ce qu'elle a fait. J'ai déjà recruté des voyous pour s'occuper d'elle. Comment ça? Ils vont la guetter. Dès qu'elle va descendre du véhicule, hop, incapacité de travailler. C'est pas dangereux ça. Ils peuvent parler après. T'inquiète, j'ai déjà fait ça moi. Écoute, il faut les calmer. J'ai une meilleure idée. Tu veux m'humilier ou quoi? Jean, s'il te plaît, je suis fatigué ce midi. Je ne veux pas de disputes. Écoute-moi bien. Tant que c'est moi ton mari, les fauteuils, les motos, rien ne bouge d'ici. T'as compris? De quel droit? Tu es vraiment naïve, Clarisse. Tout le monde fait comme ça. Toi, tu es différente des autres. Jean, tu me connais bien. Tu sais que c'est une question de principe. On ne peut pas demander aux autres d'être corrects pendant que soi-même on fait ce genre de choses. Ça, c'est ton problème. Moi, j'attends la personne qui va venir enlever les fauteuils d'ici. Autre chose, j'exige que tu reprennes le DAF immédiatement. Ça, jamais. Jamais. Et personne ne me fera revenir sur ma décision. Ah, et toi là? Ma chérie, serre. Mais... avec l'alcool, je suis le roi du monde. Ajoute. Voilà, c'est bon. Ajoute. Voilà. Tu sais, ma chérie, mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu emporter toute la caisse, quoi. Si tu faisais ça, tu ne serais pas ici en ce moment. Rien. Niet, nada. Je ne risque rien. D'ailleurs, on a épongé tous les millions que j'ai enlevés. Toi, des millions? Et que fais-tu ici dans ce petit maquis? Tu sais, ma chère, je n'ai pas toujours été le mauvais bourre que tu vois comme ça. Voilà. Quand on m'avait appelé pour nommer, je croyais que c'était
de mes compétences qu'il voulait. Ce n'était pas le cas. Au début, oui. Mais après, l'ivresse, les vertiges du pouvoir, hein? Les sollicitations des uns et des autres te laminent et te poussent hein, à prendre un peu, puis un peu, puis encore un peu. Et après, les femmes. Surtout ma dernière femme. Et les maîtresses Simmel et Patatras. Bonjour, la corruption, l'enrichissement illicite. Et voilà où j'en suis. Vive l'alcool. Clarisse, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu te laisses trop faire. Mais comment tu veux que je fasse? C'est mon mari avant tout. Si je m'amuse là, il va partir. Et alors? C'est pas mieux que de le laisser continuer à déconner de la sorte? Lucénie, ce n'est pas aussi simple. Toi-même, tu sais qu'une femme seule est mal vue dans ce pays-là. Et puis, s'il me quitte, c'est encourager les commérages et donner raison à ceux qui pensent qu'une femme à un poste de responsabilité ne peut conserver un mari. Toi, tu es toujours à ce niveau-là? C'est incroyable. Lucénie, je suis une femme avant d'être une DG. Ne l'oublie pas. Ah bon? Hé les gars, c'est propre, non? Ouais. Voilà, c'est OK. Alex. Oui, bébé. Tu sais, je suis contente de toi. Ah bon? J'ai assuré un grave, j'ai prouvé. D'accord. Allez, viens, on va danser. Non, s'il te plaît, pas maintenant. Arrête de jouer timide. Non, tu n'as rien vu. Hey, les gars. Et si on allait s'éclater en boîte ce soir? Génial. Il a raison. C'est vendu à acheter. On va mettre le feu. Ouais, ouais, c'est bon. Tiens, Alex. Oui? J'ai une idée. Laquelle? Quand je suis arrivée, j'ai trouvé le bureau ouvert dans cet état et j'ai immédiatement appelé le gardien. Mon Dieu, mon ordinateur, toutes mes données. C'était donc ça. DG, je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Et j'ai toujours fait ma ronde comme d'habitude. Bien sûr. Avec les petites filles que tu passes ton temps à attraper, tu ne peux rien voir ni entendre. Astaghfirullah, DG. Rokia, oui. Appelez la police, s'il vous plaît. Bien, madame la DG. Ça ne peut pas continuer à courir. Tout le monde est là. Bon, on va être bref. Comme la dame a des larmes partout. Oui. Oui. Tu as une idée? Vous savez tous qu'elle et sa fameuse commission veulent supprimer tous nos avantages. Et en plus, on est tous d'accord qu'elle ne mérite pas son poste. Oui. N'est-ce pas, Yabre? Ah, bien sûr. Les nominations de Lee, moi, je suis contre. Moi, une femme ne me commandera jamais. Ma position est claire. Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, il nous faut trouver une bonne stratégie. Vous avez une idée? Oui, il faut qu'on la pousse à la faute. On va lui mettre les bâtons dans les roues. Excellente idée. Ah oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Parlotte. Quelle parlotte? Tu as secoué la tête. Oh, pardon, secoué quelle tête? Tu es un tricheur. Arrête, Jean. Tu n'es qu'un sale tricheur. Jean, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. Tu sais ce que toi tu es? Tu n'es qu'un cocu. Mais attends, répète un peu ce que tu viens de dire. Et puis tu vas me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Tu n'arrives même pas à gérer ta femme. Regarde ta vieille voiture. Ali, arrête. Tu exagères. Mais ça ne te regarde pas? Laisse-le. Ce n'est qu'un sale jaloux. Moi jaloux.
Je préfère une femme ménagère qu'une désir que tout le monde tripote dans les bureaux là. Ali, boucle-la, sinon tu quittes la table. Bon, moi je préfère quitter la table, sinon je risque de faire un malheur ici. Oui. Bonjour, madame la DG. Bonjour, monsieur Christophe. Asseyez-vous. Vous avez demandé à me voir? Oui, madame la DG. Clarisse, qu'est-ce qui se passe? Tu étais si inquiète au téléphone. Hein? Ma soeur, je n'en peux plus. Tout me tombe dessus. Au service, ça ne va pas. À la maison, c'est encore plus grave. Qu'est-ce que je fais de mal? Rien du tout. C'est parce que tu fais bien ton travail que tu as tous ces problèmes. Clarisse, rassure-toi. La récompense viendra au bout de l'effort. Je suis découragée. Je crois que je vais laisser ce fauteuil-là et avoir la paix. Tout sauf ça. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut tenir pour montrer que les femmes sont capables, elles aussi, d'assumer des responsabilités. Mais avec quel soutien? Même mon mari n'est plus de mon côté. Prions, ma soeur. Priez, priez, priez. On ne fait que ça depuis le début et rien ne marche. Moi, j'en ai marre. C'est à cette heure-ci que tu rentres? J'ai fait un tour à mon groupe de prière. J'ai constaté que de plus en plus tu rentres à des heures tardives. Il faut que ça cesse. C'est clair? Entendu. Allô? Ah, monsieur le ministre. Oui, je suis déjà rentrée à la maison. C'est urgent? Ok, je vais en parler à mon mari. C'est mon ministre. Il dit qu'on a des partenaires qui sont en escale à l'aéroport et qui auraient voulu que l'on... Ton ministre n'a rien à faire qu'à t'appeler à des heures tardives? Donne-moi ça. Donne! C'est parce qu'il y a ça qu'on t'appelle, non? Je sens que je vais tuer quelqu'un. Toi aussi! Ouvre la porte, c'est moi. Thank you.
Pourquoi tu regardes l'horloge? Je ne regarde pas l'horloge. C'est pour m'indiquer que je suis rentré tard? C'est ça? Hein? Je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Je n'ai rien dit. Seulement à l'avenir, là. Dis à ta pute, là, de t'apprendre à mettre correctement tes boutons. Ah. Je sommeille, je vais dormir. Mais ça va, tu parles comme ça? Attends ici. Ça va, tu parles comme ça. Oui. Oui. Compris, madame la DG. Rokia, la patronne convoque tout le monde demain pour une réunion extraordinaire. Pendant que je saisis la note de service, informe les différents chefs de service et les délégués syndicaux. Bon, et qu'est-ce que moi je fais dans tout ça, là? Ah oui, la patronne dit qu'elle ne veut pas être dérangée. Mais il faut que je la voie. Et est-ce que tu lui as dit que c'était moi? Toi, tu es qui? Elle a dit qu'elle veut voir personne, c'est clair? Rose, c'est à moi que tu dis ça? Écoute, Séraphin, les choses ont changé. Tu n'es plus quelqu'un ici. Aujourd'hui, tu me parles comme ça? Mais tu as déjà oublié? Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu peux me laisser travailler maintenant? Bon, tu vas le regretter. C'est moi qui te dis ça. Bon. Tout le monde est en réunion. Moi, je vais prendre seulement pour moi-même. Donne-moi de chercher. Ah, Wassa, Wassa. Toi aussi. De chercher. Hey, Atima ya folle. Il faut faire doucement. Tu n'es plus jeune. Hein? Toi, tu es jalouse seulement. C'est parce que je ne fais pas la chose avec toi. Moi. Mambi. Tu m'as bien regardé. Bien même. Qu'est-ce que je vais faire avec un vieux con comme toi? Attends, si c'était moi là. Si c'est pas 5 chachés, tu peux pas me démarrer. Tu connais mon nom? On m'appelle Madame Goûté Resté. Ça va. Laisse ça, donne-moi mon produit. Là, tu as le temps. Au revoir, vieux pompier. Merci. Je suis au courant de la réunion clandestine qui a eu lieu contre moi. J'ai les noms de tous et j'ai même les décisions issues de cette réunion. J'aimerais qu'à l'avenir, on vienne me voir pour me poser les problèmes. Ma porte est grandement ouverte. Mais néanmoins, je reste ferme sur ma position. Madame la directrice générale, tout le monde ne se sent pas concerné par ce que vous dites. Alors, pour échanger sérieusement, je propose que vous citiez clairement des noms. Pas besoin. Les intéressés se reconnaissent. C'est d'ailleurs pour mettre fin à la délation et au sous-emploi que je vais mettre en place une commission de redéploiement du personnel. Et ce, de concert avec le syndicat. Madame la DG, nous sommes déjà engagés sur des projets. Avec ce redéploiement, c'est repartir à zéro. C'est une bonne remarque que je prends en compte. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vais demander à chaque service de me faire un point sur le programme des activités préalablement établies. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Madame la directrice générale, nous vous remercions pour cette démarche que nous trouvons consensuelle et nous osons espérer que ça va continuer ainsi. Merci. Merci à tous. Monsieur Wimalo, rejoignez-moi dans mon bureau. Moi? Monsieur Wimalo, je ne vais pas me répéter. Vous et votre groupe, je souhaite que vous mettiez fin à vos agissements dans votre intérêt et dans celui du service. Surtout vous, monsieur Wimalo. Je suis au courant de toutes vos manigances et même de vos abus avec les filles. Je vous jure, madame la DG, que ce sont des gens qui sont contre moi qui viennent vous raconter des histoires. Trêve de discussion. La prochaine fois, je sévis. Vous pouvez disposer. Merci, madame la DG.
Pourquoi? Pourquoi, Loceni? Je ne te comprends pas. Je te croyais pourtant un ami de la famille. L'ami de la famille a besoin de manger. Tu crois que c'est facile? Ton mari bouffe avec le DAF, toi tu roules dans une grosse voiture avec des bons d'essence et tous les autres avantages. Moi je n'ai aucune promotion. On ne mange pas les cailloux. Ah, c'était donc ça, un poste. Je t'avais pourtant demandé de patienter, Loceni. Patienter? Tout le monde s'imagine que tu bouffes avec moi alors que tu ne me partages que tes problèmes. J'ai des besoins, moi. Ton poste, tu l'auras. Mais sache que désormais, entre toi et moi, ce ne seront que des rapports hiérarchiques. Tu peux disposer. Laisse, je vais le faire moi-même. Je suis en train d'arriver. Votre père est rentré? Ok, à tout à l'heure, ma chérie. Allô? Madame Ouedraogo, vous êtes toujours au bureau? J'ai découvert un bon coin. Je voudrais vous inviter à manger. Ok, j'arrive tout de suite. Surprise depuis le temps que j'attends ça. Je suis là pour une seule chose. Il faut que le harcèlement cesse. Sinon, je serai obligée d'en référer au ministre. Quitte à perdre mon poste. Qu'est-ce donc fait de mal? Ce n'est qu'une simple invitation. Je suis une femme mariée et honnête. Et je tiens à ce que vous me respectiez. Je ne le répéterai pas. Au revoir. Bonne nuit, madame. Bonne arrivée, maman. Et ton bras? Ça va beaucoup. Et ton père, il n'est pas encore rentré? Non, pas encore. Je vais laver les légumes. J'arrive. Tu fais très très tard. Je voudrais pas de blême avec ta femme. Oh, je m'en fous, j'ai pas de femme. Je suis déshonoré. Oui, allô? Il faut vraiment que tu rentres. Hein? Qui t'a appelé? Que crois-tu, toi? La nature a horreur du vide, non? Tu vas rentrer rejoindre ta femme et laisser seule, n'est-ce pas? Salata, tu oses me faire ça? Avec tout ce que je fais pour toi? T'as une femme à la maison, non? Moi aussi, je dois me caser, ok? Donc, c'est à cause de mon argent?
C'est bon, les gars, c'est bon. On embarque rapidement. On va chercher Lodi. Bon arrivé, Jean. J'ai préparé ton plat préféré. Je t'attendais pour qu'on mange, je me suis assoupie. Je te sers. C'est quel commissariat? Jean, tu viens manger à table ou bien tu veux que je te serve ici? Je n'ai pas faim. Fatigué, je suis prêt. Fatiguez-moi ça. Tout le monde, allez, fatigué. Allez, bon baraba. Tout le monde est bon baraba. Tout le monde est bon baraba. Tout le monde est bon baraba. On va danser les bons baradini. Tout le monde est bon baraba. Tout le monde est bon baraba. Allez, bon bon. Bon bon. Allez, bon bon. Bon bon. Allez, bon bon. Alexis et Willy. Et Barman. Oui. La Miss Elodie. Qui sont ces enfants-là? Et Mathieu. Ah, vous ne les connaissez pas? Non, celui qui est en jaune là, le blanc là, oui, c'est le fils du ministre là. Et le plus court, c'est le fils d'Indéje de Bac. L'autre, c'est le fils du député Salé. C'est très bon, celui-là. Merci, Barman. Vous en prie. Alex, un accident? Les urgences, Seigneur. Jean, réveille-toi. Jean, Alex a fait un accident, il est aux urgences. Quoi? Mon fils? C'est interdit ici. C'est mon fils, je veux juste savoir comment ça se passe. Laissez-nous faire notre travail. Oh Seigneur, oh mon Dieu, si j'avais été plus attentive, tout ça ne serait pas arrivé. Oh, calme, Clarisse, ça va aller. Ne me touche pas, tout ça c'est toi. Depuis ma nomination, tu fais que me mettre les bâtons dans les roues. C'est pas le moment, on en reparlera, veux-tu? Laisse-moi, tu avais pourtant promis de m'épauler. Au bureau, c'est l'adversité au quotidien. À la maison, tu n'as le temps ni pour moi, ni pour les enfants. C'est pas le moment de vous chamailler, il faut qu'on soit fort pour Alex. Oh Seigneur. Alice, allez, viens, on va s'asseoir. Laisse-moi. Clarisse. Je savais que j'allais te trouver ici.
Tu as raison, Clarisse. J'ai été stupide. J'ai écouté trop de commérages. Je me suis laissé manipuler. Que tu me pardonnes, s'il te plaît. Comment va Alex? Le statu quo. Alice nous prévient s'il y a du nouveau, quoi. De toute façon, je renonce. Renoncer à quoi? Je ne veux plus être DG. Ça suffit. Dès demain, je dépose ma démission. Mes amis de la Belote et les autres avaient donc raison. J'ai perdu mon pari. Ils avaient dit que, comme les autres femmes, tu allais démissionner à la moindre difficulté. Et moi, j'ai dit que tu étais différente des autres. Jean, cette stratégie ne prend pas avec moi. Dommage. La femme qui ne reculait devant aucun défi, qui n'avait pas de rien ni personne, n'existe plus. Tu te trompes. Je suis restée la même. Seulement, les contextes sont différents. Je récapitule. Séraphin devient incontrôlable. Oui. Madame Ouédraogo avait des problèmes avec des agents qu'elle est arrivée à juguler. C'est ça. C'est au niveau de sa famille qu'elle a des problèmes, surtout avec son fils qui déconne parce qu'il a rejoint un groupe de flambeurs. C'est bien ça? Oui, monsieur le ministre d'État. Mais... Oui, Malo. Oui, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais tu as gagné au PMB? Ah, c'est plus que ça. Ah bon? Oui. Mon ennemi numéro un va avoir des problèmes. Qui est ton ennemi numéro un? Mais la patronne. Tu vois? Elle a convoqué une réunion imprévue aujourd'hui. Ah bon? Oui. Certainement, c'est pour jeter l'éponge. Et après ça, je vais boire une bière à sa santé. Une bière? Oui. Astaghfirullah. Le Coran interdit ça. Là, toi et les petites filles, là. C'est ça que le Coran autorise. Là, il est là. Je vais te maudire. Déjà, n'est toujours pas là. C'est bizarre, hein. D'habitude, elle est à l'heure. Les gens racontent que son foyer bat de l'aile, hein. Est-ce qu'elle va venir, même? C'est où? Bonjour à tous. Bonjour. Je m'excuse pour le retard. Monsieur le délégué syndical, vous avez demandé à me rencontrer. Eh bien, je vous écoute. J'espère que vous ne voulez pas me prendre en otage. Oh, rassurez-vous, madame la DG. Cette fois, on n'apporte que de bonnes nouvelles. Madame la directrice générale, une fois n'est pas coutume, nous tenions à vous remercier et à vous féliciter pour le climat de travail et de bon rendement que vous avez su instaurer dans la boîte depuis votre nomination. Merci, merci à tous. Je tiens à préciser que c'est aussi grâce à vous et à votre disponibilité. Et je vous rassure que je maintiendrai le cap. Cependant, avant de continuer, on souhaiterait savoir où vous en êtes avec votre véhicule de service accidenté. J'ai fait mon rapport acquis de droit et vous serez informé au moment opportun. Alors, docteur? Et rassurez-vous, il l'a échappé belle. Il s'en sortira. OK? Je vais prévenir ta maman. Allô? Ah, Dieu soit loué. Je vous rejoins tout à l'heure. Bonjour, madame la DG. Vous m'avez appelé. Bonjour, monsieur Séraphin. Asseyez-vous. Merci. Un cadre désœuvré est une bombe atomique. Après réflexion, j'ai décidé de vous nommer directeur des ressources humaines. Ah, et merci beaucoup, madame la DG. En fait, je vous cherchais pour m'excuser de tout ce qui s'est passé. Oh, vous êtes tout excusé. Ah, merci encore pour cette marque de confiance. Je vous assure que je vous apporterai tout mon soutien. Comptez sur moi. Je n'en attends pas moins de vous.
Bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Ouais, merci encore, TG. Merci, papa. Allez, bonne journée, mon fiston. Merci. Alex! Alex! Ah, Willy, comment tu sens-tu? Ça va, à part ce que tu constates. Dis, t'as les nouvelles d'Elodie? Pas du tout. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis son évacuation. Et Kader? Il nous a menti qu'il a le permis. Il nous a envoyé dans les deux corps. Dieu merci. Il a perdu un œil dans l'accident, mais il se remet petit à petit. On l'a échappé, Belle. On allait tous y passer. Mais il ne va pas me rater. Comment la DG ose me faire ça? M'affecter au secrétariat des ressources humaines. Calme-toi, Rose. Séraphin n'est pas rancunier. Il ne te fera pas payer les foutaises que tu lui faisais. Ah, de toute façon, moi je ferai correctement mon travail. Hein. Après tout, c'est lui le patron. Il fait ce qu'il veut. Ah, ce téléphone, il vous empêche de travailler. Allô? Ah, monsieur le ministre d'État, bonjour. Madame Odrago, j'ai reçu beaucoup de rapports vous concernant. Tout n'est pas parfait dans votre travail, mais vous avez des encouragements et des félicitations des plus hautes autorités. Vous faites honneur aux femmes. Ah, merci, monsieur le ministre d'État. Pour les véhicules, on va passer l'éponge. Nous attendons beaucoup de vous. Et à propos, madame, pour le cambriolage, on a vos coupables. Il s'agit de M. Kabore et de votre ex-DAF. C'est pas possible. Et ce n'est pas tout. Il s'apprêtait à s'en prendre à votre famille. Mais rassurez-vous, madame, ils sont hors d'état de nuire. Et, madame, auriez-vous besoin d'autre chose pour réussir votre mission? Non, monsieur le ministre d'État, merci. Votre soutien me suffit largement. Bonne journée, monsieur le ministre d'État. Ah, Seigneur.